Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans le festival Horizon Été. On va maintenant faire le drift, zone de drift Arbo là-bas. Alors, il faut utiliser une voiture S2 998 en réglage maximum. Tous les moyens sont bons, donc n'importe quel véhicule. Et il faut faire 150 000 de drift et pas 110 000 parce que nous sommes dans un coup de pub saisonnier, donc 150 000. Je vais vous montrer la voiture que j'ai choisie. J'ai choisi le Super 23 de 1994 de Ford et je vais vous montrer le réglage. J'ai choisi le réglage Got Like Drifting et le code c'est 716317643 716317643. Alors mettez-vous ici pour le drift là, donc ici dans ce sens-ci, et il faut faire 150 000 points. Alors je suis un très mauvais drifteur, donc on va commencer. N'allez pas trop vite, driftez bien de gauche à droite, n'allez pas trop vite, faites bien des freins à main gauche droite, des petits freins à main gauche droite, comme ceci, gauche droite. N'allez pas trop vite, freinez bien. Faites des gauches-droites avec votre voiture, comme ceci. Vraiment, des glissades, vous faites avec votre frein à main. Comme ceci. Vous faites bien du gauche-droite. Gauche-droite avec votre frein à main, vous accélérez, vous freinez, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Essayez de ne pas aller trop vite pour accumuler les points. Comme ceci. Vraiment gauche, droite, frein à main, gauche, droite, frein à main. Pour drifter. Alors je suis très mauvais en drift, hein, donc de toute façon. Voilà, des gauches, droites. Gauche, droite en drift, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Alors c'est pas facile, hein. Gauche, droite. C'est un gauche, droite chaque fois. Avec le frein à main, vous n'allez pas trop vite pour pas trop accélérer, pour essayer d'arriver à 150 000 avant d'être hors de la zone. Donc là, on est pourtant bien, on est plutôt bien là. De nouveau, gauche droite, gauche droite, gauche droite, gauche droite. Vous freinez bien, frein à main, accélérez, frein à main, accélérez, frein à main, accélérez, frein à main. Vous faites attention de pas faire trop de marche arrière parce que le jeu n'aime pas ça et invalide. De nouveau, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Alors, c'est pas évident du tout. Gauche-droite, 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 gauche-droite. N'allez pas trop vite, parce que si vous allez trop vite, vous n'arriverez pas à 150 000. Freinez bien. Faites bien du gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Voilà. Gauche-droite, gauche-droite. On y est. Voilà. Il y a même moyen de faire un petit peu plus. Voilà. Alors, moi, je suis vraiment nul en drifting. Hein, je vous le dis tout de suite. Bon alors j'ai fait quand même 162 000 points, c'est pas si mal. Et voilà, c'est validé. Alors c'est pas facile, hein, je vous le dis tout de suite. Maintenant si vous êtes un dieu du drift, ça va aller comme rien. Mais si vous êtes comme moi, le nullard du drift, ça va être vraiment la grosse galère. Voilà, avec cette voiture-ci, ça va. Ne changez pas vos paramètres ici. Laissez vos paramètres en normal. Donc laissez le contrôle de traction activé et le contrôle de stabilité activé. Ne le désactivez pas pour ce drift ici. Ça fonctionne très bien en laissant ça comme ça. Et bien voilà. Je vais vous montrer que c'est validé. Arbola terminé. Et voilà, la zone de drift est terminée. Et je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.